Bonjour à la maison, c'est moi Guiz et bienvenue à ce 23e jour du spécial du temps des fêtes du jeu. C'est sérieux? Un spécial dans lequel on ouvre des boîtes qui contiennent des jeux de NES que je n'ai pas dans ma collection. C'est comme un gros calendrier de l'Avent et si mes calculs sont exacts, il reste juste 3 chocolats. Alors allons-y sans tarder, 23 c'est où? C'est là, 23. Hein? Un beurre d'érable, il garde les meilleurs pour la fin. Le sirop d'érable, c'est super puissant. Même dans Mario RPG et dans Sea of Stars. Ça goûte la cabane à sucre. Bon, c'est assez sucré le bec. C'est l'heure d'ouvrir cette boîte. Mais que contient-elle? Alors, on cache un peu. Il s'agit d'une étiquette blanche. Il y a comme... J'ai pas réussi à voir. Ça va être le 634e jeu de notre full set de NES. Si on regarde en bas, c'est fait par Culture Brain ou distribué par, je sais pas trop là, c'est pas clair. Alors mesdames et messieurs, pour la somme de 90$, on accueille dans la collection Little Ninja Brothers. Ben oui, c'est la suite de Kung Fu Heroes. La cartouche est quand même dans un bon état, peut-être un peu endommagée juste ici là. À l'arrière, ça a l'air de quoi? Ah, une petite encoche là, c'est pas parfait, mais c'est un jeu quand même assez rare que je voyais de temps en temps, puis je l'achetais pas, puis arrêtait pas de monter, donc c'est fait maintenant. C'est le genre de jeu que j'aurais aimé ça avoir la pochette, parce que, ben la boîte je veux dire, parce que les boîtes sont vraiment belles de ces jeux-là. Regardez, ils sont cute, je les remontre. C'est comme des mini ninjas qui sont en train de sauver le monde. En tout cas, le premier était pas pire, donc on s'en va voir, est-ce que c'est aussi le fun que l'autre? Little Ninja Brothers, a trademark. Alors, on a le choix entre RPG ou Field Meeting. J'imagine que Field Meeting, c'est pour se battre en un contre un. Puis RPG, ben, c'est l'aventure qu'on va vivre. On a Ryu et Jack. Commençons la partie, avec plaisir. Combien de joueurs? Je suis seul. Je serai Jack, apparemment. Je veux le texte rapidement. Je veux ça à normal. Oh, y'a les mollos, là. Un jour, il y avait une urgence à la télévision. Puis là, t'avances ça vite. Je suis le Blue Bolter, en tout cas. Je suis l'empereur de China Land, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Monsieur China Land. Ah ah ah, China Land maintenant est à moi. Oh non, c'est Ganon 2. Tous ceux qui résisteront seront éliminés. Voyons, pris sur du texte d'oeil, j'ai rien appuyé. Pendant ce temps, au Mont Épine, Jack et Ryu étaient les deux en train de s'entraîner avec leur mentor. Les trois ont été choqués d'entendre les nouvelles. Jack et Ryu, vous êtes entraînés pour ce jour. Maintenant, allez dans la ville de Yokan. Prenez cette cloche rouge de prisme, en tout cas, prenez ça, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est celui qui va amener toutes les cloches, là. Va être capable de sauver China Land. Je vais vous donner 160 cents. C'est de mes économies personnelles. Utilisez bien. Ok, on y va. Tu peux compter sur nous. Fait qu'il nous a donné 160 cents. Il y a un village ici. Est-ce qu'on vient à la maison? Ah, le mentor est pas là. Où c'est qu'il est allé? Je sais pas. Oh non, un monstre! Un groupe vient d'apparaître. On les fight. Wow! Ok! Fait que c'est comme un RPG, mais les combats sont pour vrai. T'as un groupe d'ennemis! Ow! J'suis mort? Ah, ils sont sauvés parce que je n'ai tué assez! 5 points d'expérience puis 14 scènes! Caline! Pour rembourser notre ami de tantôt. Il y a un village ici. Bienvenue dans la tente des Men. Le Yuma Clan ont déjà pris le contrôle. Mais là... Quoi c'est ici? Peux-tu acheter des armes? Bienvenue à mon magasin. Qu'est-ce que vous voulez? Ben je veux sauver le monde, peux-tu tout me donner gratis? Un Crush Punch. Ben oui, je veux ça. Je veux aussi... Oh, je veux ça.
Je veux un... Ok, une white robe. Puis il dit toujours que c'est le meilleur item que je vais acheter de toujours. Et un scale shield. Non, ça va être tout. Avec plaisir. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Si je veux changer mes armes... Subscreen. Equip. Punch, crunch, punch. Scale, shield. White robe, qui a tout pris par défaut. C'est bon, ça. Des outils. Bienvenue dans mon magasin. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre un talisman. Non, c'est beau. J'ai acheté un talisman. On va le voir dans le subscreen. Equip. Mais là, c'est... Sont-ils sur moi? Ok, je peux rien faire. Fait que c'est mon équipement. On va aller péter des mobs. Ah non! C'est au niveau 2. M'en fous. Alright. Ow! Hey! Ow! J'ai 7 d'énergie. Out, 5. Out. Non, non, non. Ok, j'ai gagné. Peut-être aller à l'hôtel. 14 cents. J'espère que ça coûte pas plus que 14 cents aller à l'hôtel. Sinon, oups, c'est ici. On va à l'hôtel. C'est une place pour te reposer. 10 cents pour... Oh, oui, avec plaisir. Bonne nuit. Réveille-moi tôt demain. C'est Noël bientôt. Ok, merci monsieur, c'était le fun. Je t'ai pas allé dans la petite maison à côté ici. T'es louche. Cowl? Non. Un barré. On essaie d'aller plus haut. Bon, petit pont ici. C'est quand même charmant à date. Oh! Ah bien, content de te voir, je suis l'étalon sage. Je vais aller détruire le clan des Yoma. Hein? Dans ce cas-là, je vais t'apprendre des affaires utiles. Quand tu te bats, punch les roches pour avoir des balles. Tu peux... en tout cas, ça fait des affaires. Select item command pendant la bataille. Pratique-toi avant d'avancer, ok? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je comprends pas pour avancer, comme quand j'avance, ça avance super lentement. Quand je saute, ben là, je tombe dans l'eau. Ok, je comprends. C'est bon, j'ai compris. J'ai l'air fou. Ah, ah, ah. Comment j'ai fait ça? Go! Fait que là, quand j'appuie là-dessus, ça accélère. Ah, come on. Let's go! J'ai gagné! 200 points! J'étais super bon.
Merci, j'ai pas peur du clan Ryoka maintenant. Ah oui, si tu équipes avec des étoiles, en tout cas, ça va faire des affaires. En tout cas, je sais, t'as pas compris, monsieur, mais c'est correct. Monsieur, c'est moi. J'ai rien compris. Oh non! Niveau 6! On va se faire péter. Je peux briser les roches pour avoir des steps. Non? Oh, équipement. Item. J'ai rien. Équipement. Donc là, j'ai le... Je peux pas changer? Non. Équipement. Select. Start. Ok, je peux pas changer. Ow! Voyons donc! Ça m'a-tu tué d'un coup pour vrai? Mais voyons donc! Bon, ben mesdames et messieurs, c'est ça Ninja Brothers. Lui, il donne le goût de continuer puis d'aller voir de quoi ça a l'air. C'est un RPG. Puis je trouve ça le fun de se battre... en temps réel et non juste appuyer sur A pour faire fight. Donc je suis très curieux de ce jeu. Et sinon, on se revoit demain. Hey, il reste juste deux boîtes derrière moi. C'est tellement la fin.